이거 보내던데요. 플레이어 여러분 안녕하십니까. 일주일 만에 인사드립니다. 이것은 대한민국 꼴찌입니다. 자, 2018 이거 브랜드 월드 챔피언십 4강전이 펼쳐지게 되는 이곳 광주에서는 자, 그동안에 멋진 경기를 펼친 팀들이지만 거기에서 승리를 거둔 4개 팀들이 이제 한판 대결을 펼치게 됩니다. 그럼 먼저 첫 번째 매치에 나서는 두 팀 IG 인빅터스 게이밍 같은 경우에는 중국의 프로리그인 LPL이 생기기 전부터 있었던 매우 역사 깊은 팀으로 특히 8강에서는 LCK 탑시드 KT를 잡으면서 이 자리에 섰습니다. LPL의 최초의 목표 달성, 우승을 향한 질주 전진 도약이 가능할지 기대해보도록 하겠습니다. 다음은 G2 e스포츠입니다. 언제나 G2 e스포츠는 독보적인 게임 메타로 리그 오브 레전드 게임 메타 그리고 분위기의 새로운 지평을 열어봤습니다. 더욱이 이번 월챔에서 플레이인 그룹 스테이지 거기에 쿼터파이널까지 힘든 역경을 잘 딛고 이 자리 광주에 우뚝 섰습니다. 물론 이 두 팀은 대회 초반부터 기대해봤던 팀은 아닙니다. 하지만 스스로 존재 가치를 인정받으면서 또는 입증하면서 각 지역 EU LCS와 LPL의 새로운 역사를 만들어내기 위해 이제 한판 대결을 남겨두고 있습니다. 자, 그러면 경기에 나서는 두 팀 어떤 모습일지 화면을 통해서 먼저 만나보겠습니다. 넥서스 turret, that's gonna be it. We have a new king in Europe after all. The Chomp connects to the Xia. There's no cleanse. Sparrow Rush goes forward. Perk solo Xia. G2 Esports about to strike back. The fourth death for Faker. What a game! To get into the pit, MLXG borrows out the prediction from Trick, and Perks gets another. Here comes Perks. G2 have just dismantled RNG, and they're gonna make their way to the semi-finals. 자, 여러분, 큰 박수로 모실 수가 됩니다. From EU. 원더 정글 얀코스 미드 퍽츠 에이드 캐리 야난 끝으로 서포트 와디드! 네. 자, 이렇게 G2 e스포츠를 여러분께 소개해드렸고요. 자, 예멋스러운 팀 역시 여러분께 화면을 통해서 소개해드리도록 하겠습니다.
Jackie Lord. Good support, power, run. 자 이렇게 IG의 선수들을 모두 소개드렸습니다. 자 이제 곧 4강을 시작하도록 하겠습니다. 여러분, 이 두 팀이 부연한 경기를 할 수 있도록 IG와 G2, G2 IG에게 다시 한번 커다란 응원의 박수를 부탁드립니다. And I always knew I had it in me, just never could quite show it. When everything clicks within the team, it makes it easier for me to perform. Here comes Berg. A lot of the coaches, the analysts, the casters predicted that we wouldn't even make it to playoffs, but here we are. He wants to jump down and he does! I'd say this has probably been the most exhausting run, but if we win the whole thing, then it'll just all be worth it. Many teams this year have just realized that getting your own success is not through copying what someone else did. It's that world where legends will fall and new ones will rise up. I will always step up when it matters. I'll always be there in the clutch moment. Reckless, let's step in and fly! I don't think Sneaky can stop me. I don't think Jackalock can stop me. And I don't think Yarna can stop me. So I just don't see us losing this tournament. Fnatic are one step closer to semifinals. They're one step closer to a world championship final. Cloud9 will make it to the semifinals. The first time in 7 years. The G2 dynasty will be defined by taking down RNG. And if Nexus Gaming, they will eliminate the Korean first seed and they will move on to the semifinals. This is our time. We will never get another chance like this ever again. So I really, really want to take it and just bring the trophy home. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première demi-finale des Worlds 2018 G2 Esports contre les Invictus Gaming pour la toute première place en finale. Totalement inattendu parce qu'effectivement on n'attendait pas les G2 aussi loin dans la compétition. Les G2 qui s'en sont imposés en quart contre les RNG et qui ont fait eh bien, une magnifique performance. Tout à fait, Noah. Et une demi-finale pour le moins inattendue hein, puisque oui, au début de la compétition, si on nous avait dit... Messieurs, nous aurons G2, mesdames, messieurs, hein, nous aurons G2 Invictus Gaming en demi-finale et ils auront avant battu Katie Rolser et RNG. Quel aurait été aurais-tu mis une liasse de billets sur ce pari? Déjà en play-in, je ne mettais pas. Peut-être que si t'as beaucoup de liasses de billets, tu aurais pu. Mais... Déjà en play-in, je ne mettais pas un copec sur les G2 hein, qui ont fait eh bien, une progression tout au long de cette compétition absolument incroyable. Les équipes européennes, de toute façon, qui ont su en règle générale trouver leur style de jeu au milieu de toutes ces équipes top monde. Et il faut dire que eh bien, nous avons 2 sur 3 équipes à s'être frayé un chemin jusqu'ici. Avec un G2, on le sait, qui est un style atypique, hein, basé sur du 1-3-1 avec 2 solo lanes très fortes. Une duo lane toujours un peu dure à prédire de par ses pics, même si maintenant, quand même, on commence à avoir un pattern avec des Hammer, des Jhin. La brand. Il y a toujours un truc comme ça qui peut sortir.
Il y a peut-être d'autres surprises hein, dans ce dernier carré. Sûrement, je pense. C'est sûr que quand tu es une équipe bien préparée, tu abats tes cartes au fur et à mesure de la compétition. Parfois, tu peux être forcé de le révéler un peu plus tôt. Et bon, s'il y a des choses qui sont encore cachées de chaque côté, et on pense aussi à la demi-finale de demain, ces demi-finales sont sans doute le bon moment pour se révéler quasiment intégralement, Noah. Et on va partir dans cette phase de draft. Le premier match de cette demi-finale va s'engager. La draft est là, Noah, et on en attend déjà beaucoup avec Invictus Gaming en blue side, avec The Shy et non pas Duke sur la top lane pour répondre au défi, bien sûr, que pourrait imposer Wunder. G2 en red side, Noah. G2 en red side, on va voir un peu ce qu'ils en font avec leur red pick, et surtout peut-être effectivement avec ce last pick. A priori, je pense top lane. Alors du côté de Invictus, je pense qu'on a saisi un petit peu l'enjeu de ces premiers picks. Et Merdinger, hein, toujours invaincu pour Yann sa saison. Le Nocturne, qui est si efficace en 1-3-1 pour sanctionner, punir la mid lane et pour voilà vraiment venir protéger un split pusher. Oui, vraiment un très bon pick pour G2, ça leur permet de désamorcer les situations de fight. Si un de leurs joueurs se fait pick, tu mets l'ulti nocturne et il trouve un flash dans la foule. Par contre, Tahmkench est open du côté des G2, hein, Invictus Gaming qui ne banne pas ce champion qui pourtant, on le sait, peut-être et même extrêmement déterminant pour les G2. Qu'est-ce qu'ils vont faire les G2? Est-ce qu'ils vont partir sur Alistar, sachant que Alistar, le Tahmkench est open? Alistar Atrox, voilà, faut savoir que vraiment G2 dans toute leur game commence quasiment 70% du temps par un pick soit Atrox soit Akali. Là, Invictus Gaming veut un peu leur couper l'herbe sous le pied. Ça peut être une Akali top, ça peut être une Akali mid. Pareil pour Atrox, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va partir. Et forcément, les G2 vont sauter sur l'occasion de prendre Alistar. Oui, alors qu'il y a Tahmkench tout de même, hein, donc il convient de le noter. D'habitude, G2 met vraiment une priorité extrême sur Tahmkench, mais après, bon, first pick Tahmkench, ça peut t'exposer aussi en bot lane à certains counter picks, même si bon, les gros counter picks de Tahmkench, on les voit pas énormément. Il y a des trucs comme Thresh aussi qui sont sortis et qui sont considérés en lane comme des picks qui dominent catch. Et du coup, Brom, qui est un excellent pick contre Alistar, qui permet de punir ses engages en derrière, en faisant proc le passif lorsque le Alistar essaie de se désengager du fight avec un Lucian. Bon, les ambitions d'Invictus Gaming sont très claires sur la botlane, je pense, toi. Je pense qu'elles sont très claires en règle générale. C'est, on va accélérer, on va jouer de façon très agressive, on va pas laisser à G2 le temps de monter son jeu. Alors Yarnan a déjà joué de la Sivir. C'est un, je pense que c'est même un de ses champions signature, alors pass in the days. Mais on voit également Fnatic, hein, qui aime bien jouer Sivir de façon générale, qui est vraiment pas mal ressorti finalement dans ces worlds. Enfin bon, je dis pas mal, 14 picks sur 110 games, c'est pas non plus le champion numéro 1, mais on l'a vu, c'est un pick de refuge qui sert à wave clear, qui est très efficace. C'est difficile de totalement sortir du match une Sivir. Ou alors bon, faut enchaîner les dives, ça peut se faire, mais de façon générale c'est un champion qui est excellent pour 1-3-1 puisqu'elle wave clear tranquillement mid. Si jamais l'adversaire fait mine d'engager, elle a son ulti pour permettre de s'en tirer, elle a ce spell shield. Donc c'est un champion difficile à atteindre et ça correspond bien au style voulu par les G2. Irelia et Camille Ban du côté des G2 dans la foulée, et Camille, Talia et Leblanc. On va partir sur le Xin Jungle du côté des G2. Un des picks les plus dominants de l'early game, Noah, on le sait. Le plus prisé en tout cas dans ces Worlds pour l'instant. C'est vraiment Xin qui a la faveur quand on veut gagner. Et un bon win rate, hein. Très très bon win rate, hein. 60% pour 27 picks. Ça montre vraiment la puissance du champion. Et Yankos qui va pouvoir contrôler l'early game. Quelle est la réponse du côté des IG? Alors on sait qu'il y a Olaf en early. Olaf n'a pas un super win rate dans ces Worlds. Est-ce qu'on a envie de sortir autre chose? Ah, est-ce que ce serait un Jarvan jungle? Ça peut être le Jarvan top aussi, hein, avec une Akali mid. Bah, même si je pense plus au Jarvan jungle dans la stratégie de Vitus, qui à mon avis de vouloir gagner early, gagner en lane, de venir engage rapidement, ouais, des fights. Hein. Alors après attention, Jarvan c'est assez fort pour gank dès le niveau 2. C'est très vulnérable contre un Xin en early game parce que bah, avec Jarvan tu récupères pas beaucoup de points de vie dans ta jungle. Hein. Non. Et en pur 1v1, si le duel dure un peu, Xin a beaucoup plus d'arguments. Jarvan a surtout des éléments à l'initiation et un Jace du côté d'Invictus Gaming. Donc la flexibilité Akali Jace va se jouer jusqu'au bout du côté des IG et du côté des G2. Quel est le last pick? Atrox peut être encore une fois joué mid
ou top. On va partir sur le Swain du côté des G2 eSports. Plus Swain top à Troxmid, parce que Perks n'a pas montré non plus énormément de Swain. Mais Swain. Alors il va jouer contre qui? Je pense que tu veux jouer Swain contre Akali plutôt. Je pense que tu veux jouer Swain contre Akali, parce qu'à mon avis, c'est très très dur en early game contre un Jace. C'est sûr, parce que ça peut late swap. C'est jamais. Mais on a l'air d'être parti sur un Swain Akali. Alors Wunder qui suit les traces de Bwipo. Bwipo qui est un peu quand même le seul joueur à sortir Swain top. Mais voilà, un deuxième se présente ici. Noah, il est encore une fois européen. C'est Wunder qui va tenter de nous montrer tous les bienfaits du Swain. Normalement, j'imagine bien le Swain pointe de l'immortel pour venir tenir contre la Akali et avoir un laning assez safe. C'est pas, ce qu'on a beaucoup vu sur la mid lane. On en a même vu à l'Aftershock. Et on a vu Bwipo jouer. Ouais, on a vu Aftershock. On a vu Bwipo aussi jouer Klepto, le Swain. Klepto, c'est vrai, il y a le Phase Rush. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Après, contre une Akali, ce que tu veux en early game. Parce que c'est, Akali n'a pas non plus un push démentiel. C'est surtout tenir les all-in, je pense, de Akali. Même si Swain est forcément, il a que des sorts de zone non ciblés, donc il peut venir DPS une Akali dans son nuage. Tu peux, tout à fait. Tout à fait. Mais on va voir dans les premiers levels. Après, Akali a une petite facilité quand même, je pense, à wave clear via son Q-spell qui est vraiment très très efficace. Et on est parti, Noah. Première game de cette demi-finale. Contre Invictus, la toute première game avec, eh bien, on le sent déjà, une phase de lane qui s'annonce épicée vu les picks. Oui. Tout le monde doit dominer, tout le monde. Des junglers agressifs, de l'engage avec ce Alistar en bot side. Qui est peut-être la ligne où devrait se passer le moins de choses, mais connaissant Jackylon avec un Lucian, plus un Braum, ils vont vouloir prendre tous les trades. De toute façon, Invictus Gaming a montré leur intention. À 20 minutes de jeu, on veut snowball. Ouais, IG, on se posait la question. Qu'est-ce que l'équipe choisirait? Parce qu'on les a vus jouer des tanks à initiation, hein, par moment sur la top lane, il y en a eu quelques-uns. On se demandait quel serait leur parti pris dans cette rencontre. Et donc, ils ont envie de vraiment contrer le côté split push pur des G2 en répondant par des champions qui peuvent normalement gérer très correctement, même plus que très correctement, le 1-3-1, puisque Akali et Jace, ce sont des champions qui peuvent tuer en 1v1 s'ils sont dans les bonnes conditions. Et on se demandait pour Wunder, ce sera une poigne de l'immortel pour ce Swain. Ah, Wunder, tel qu'on a pu le voir un peu dans les quarts de finale et dans phase de poule, c'est une des top lanes où il y a le moins d'intention, c'est une des top lanes qui reçoit le moins de gank et qui pourtant est toujours en avance en CS et qui est un peu en autonomie, en autarcie sur vraiment toutes les 15 premières minutes de partie généralement. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait ce choix vraiment très fort de laning avec Wunder qui s'attend à devoir se débrouiller un peu en solo. Ouais, The Shy qui trade ici pour empêcher l'accès à la wave de Wunder. D'ailleurs, je me demande si Wunder a pas perdu un creep, hein, au niveau de l'expérience. Mais derrière, ce trade est quand même intéressant, hein, pour le top laner DG2 qui lui partira avec une potion de corruption. Donc dans l'idée, il a quand même encore deux stacks à faire valoir sur The Shy. Or Ning qui prend son raid, qui prend c'est Creuse et qui est repéré par cette vision G2. Avec Jarvan, tu te dois être actif très rapidement. Noyankos est également repéré par la vision Invictus Gaming. Et ce Wunder peut mettre cette griffe ici. Ça peut forcer un flash et le nuage. Mais The Shy, il s'est infligé ça. Parce que The Shy, on l'a vu, il a fait un pool très intéressant vraiment sur ce niveau 1. Ce qui fait que la vague, de toute façon, va rebondir pour Wunder. Il va avancer pour Wunder vers la tour de The Shy. Donc il se rend vulnérable là dans ses 30 premières secondes de jeu. Mais normalement, vers 3 minutes, 3 minutes 30, la vague sera push pour lui et Ning sera de son côté de la carte. Et c'est là où Wunder devra faire attention pour les ganks. Donc il est vraiment en train de se positionner, voilà, The Shy, pour jouer au moment où il l'entend. Oh, Rookie qui ne devra pas flash sur cette action. Yankos sera un peu court pour tenter d'accrocher le mid laner des Invictus Gaming. Et du coup, le bleu a été subtilisé, hein, du côté de Ning. Ning qui passe dans le dos de la duo lane des G2 qui récupère le plus de jungle possible. Yankos
qui va peut-être prendre la vision ici, mais derrière. Oh, il l'a pas eu. Ah, il, a, ah, pas il eu. A loupé. Il a pas eu l'info. Il a pas eu ça. Il l'a Jankos. Mais Ning est parti et Ning a pris pas mal hein, dans cette early game. Il va pouvoir reculer. Gros début du côté du jungler d'Invictus Gaming. Bah vraiment oui, là, ils ont joué en jungle vertical hein, du côté Ning. Et c'est notamment aussi pour ça que The Shy s'est mis en sécurité. Et là du coup eh bien, Jankos a juste une perte brute parce qu'il ne pourra plus a priori aller dans la jungle pour aller récupérer le bleu d'Invictus. Et donc très bonne opération là-dessus de Ning. Et on le voit pour l'instant au niveau du laning, domination de Wunder. Maintenant Perks est en difficulté hein, face à Rookie. Ce pick Jace qui est extrêmement dominant en lane, notamment contre les champions au melee en général. Et Perks qui subit un peu pour l'instant. C'est la même histoire, ce Ryze posait énormément de problèmes hein, également face au Aatrox. Alors attention, on a le Xin Zhao de Jankos. Cette fois-ci, il n'est pas repéré Jankos, mais il se contentera de mettre de la vision. Cette ward sera repérée. Est-ce qu'on va aller la prendre? On va la laisser en vie. Du côté des G2, il faut faire son premier bac hein. Pour Jankos, Wunder est de retour en lane également avec le saut noir, avec l'anneau de Doran. Et The Shy qui prend un très bon trade d'entrée de jeu sur la téléportation de Wunder. Ça c'est dommage hein. Ça c'est dommage parce que The Shy derrière va pouvoir push. Il y a son jungler qui est dans le coin, donc Wunder est obligé d'être vigilant. C'est très push aussi sur la mid lane. Il n'y aura pas de gank à attendre de Ning. Pour l'instant, les Vicious Gaming s'en tirent extrêmement bien sur ce début de partie. On l'a dit, hein, la lane, c'est le domaine de prédilection de CN Vicious Gaming. C'est le moment. Oh, le flash out du côté de Perth. Et Rookie prend d'énormes dégâts également. Perth qui a utilisé son Ignite. Et on n'est pas loin quand même de mourir hein, pour le midlaner des Invictus Gaming. C'était risqué ce qu'il a fait. Mais il conserve son flash, Rookie, au passage. Ouais, il conserve son flash, mais Rookie fait un bac à 40 creep. Il a doublé le CS de Perks. Tout à fait. Là-dessus. Quel début de game de Rookie. Qui va revenir avec une dague d'enclée. Donc Rookie va avoir en plus un peu d'armor peine, de létalité à venir faire jouer. Ça va être très très dur cette midlane. Je pense qu'effectivement, Jankos va devoir essayer de donner un coup de main à Perks pour essayer de revenir un peu au score. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une midlane qui se fait trop emboutir. Il est passé une fois Jankos, mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire là? On va essayer de jouer du côté bas de la carte. Alors, c'est vrai que bon, Baolan et Jackie Love sont très avancés depuis tout à l'heure. S'il arrive à se glisser dans leur dos, il y a peut-être quelque chose à faire, mais Ning n'est pas loin également. On va se rencontrer. Attention, Ning qui a un niveau d'avance sur Jankos et la pression est du côté de la duel lane d'Invictus Gaming. Ning, il va directement, il fait proc son électrocution et fait reculer Jankos. On voit Rookie qui est mobile également au niveau de la mid lane. Pour l'instant, attention, Wunder n'a pas son niveau 6. Blood noir. Il n'a pas son niveau 6, Wunder, il va l'activer maintenant. Est-ce que ça va lui permettre de sustain The Shack? Il ne va pas prendre le trade. Mais voilà, Wunder qui va déjà quasiment de haut faire un nouveau back. Perks qui fait un décalage. Je pense que c'est juste pour prendre le carapateur. Ouais, il peut pas vraiment se permettre, Perks, hein, de bouger sur la carte vu son retard déjà sur la mid lane. Ouais, surtout que Rookie va très vite. Hein. Dès qu'il a la wave de disponible, il l'enfonce et... Perks est tout le temps sous pression, donc il trouve cette petite ouverture pour aller prendre le carapateur. Ça peut lui faire du bien en termes de gold, mais voilà, il faut rapidement retourner sur la lane parce que Rookie est déjà à l'œuvre et les IG qui imposent une pression vraiment folle. Bon, après, statistiquement, G2 est une des seules équipes à faire régulièrement des comebacks dans ces Worlds. Oui, bon, c'est un élément quand même qui. Et toujours rassurant quand tu sais à quel point Invictus Gaming est fort en early game. C'est aussi une équipe qui peut se faire comeback. Oui. Ils ont montré les deux, mais effectivement, c'est peut-être l'équipe dont le score au gold à 15 minutes de jeu est le moins significatif de l'issue de la partie. D'une façon comme d'une autre. En tout cas, ça peut varier, ça c'est sûr. Mais les IG là, qui ont réussi, grâce à la pression de Rookie notamment, à installer un carré de vision vraiment solide avec ces deux pink wards. Heureusement, G2 a pu drop cette pink près du raid des Invictus Gaming, mais dans l'idée on est vraiment très dominant là sur les lanes du côté des IG et les G2 doivent faire le dos. Très bon knock-up du côté de Rookie et Perth qui doit utiliser l'ulti pour s'en tirer. On est sous pression du côté de la mid lane G2. Ouais, déjà plus de régène et voilà, et ça a été repush en plus pour Ning qui a récupéré le red buff qui va venir au repop. Faut de l'aide de Jankos. Du buff de la jungle de Jankos. Jankos va essayer de récupérer un petit peu de farm, mais pour l'instant il y a un déficit d'expérience sur toutes les lignes quasiment. Et même Jankos il est pas confiant là, il se dit attends, parce que les deux ils ont énormément de burst, donc si jamais j'y vais. Il faut même pas trop m'exposer sous ma tour. Et regardez cette tour mid Rookie qui vraiment imprime un rythme fou dans ce 1v1. Non, Rookie pour l'instant qui a été. Rookie et Perks qui avaient été vraiment les deux millénaires les plus constants. Mais là,
avec ce match-up pour le coup, laisser à Rookie l'occasion de briller autant, c'est limite trop dangereux. On va jouer ce match du côté de Niankos, mais attention parce que Ning va punir directement Niankos qui peut prendre énormément de dégâts. Noir, on décale, la botlane domine du côté des IG, on récupère les buffs. G2 en position difficile dans cette early game, vraiment. Alors c'est le scénario qu'on attendait en général, hein. Après je pense que ce match-up mid, attention le flash in de Ning, est-ce qu'il va utiliser l'ulti sachant que Perks a des dashs, utilise directement sur le dash de Perks. Et Perks qui est complètement prisonnier, qui devrait tomber, il a plus d'ulti non plus, il va tenter de tempo et un first blood pour Rookie sur cette action. Attention ce Shy qui n'hésite pas également à s'envoler face à Wunder, il est confiant dans son 1v1, honnêtement Akali face à Swain, je sais pas si c'est un moment où Swain reprend drastiquement le dessus, hein. Je m'interroge sur ce match-up qui a été draft de la part des G2, on aura plus de réponses par la suite, mais dans l'idée Swain face à une équipe Lorange, ça peut toujours être bien, maintenant face à, sachant que les G2 aiment bien split push, est-ce que Wunder a une possibilité de vraiment dominer son 1v1 face à la Akali à terme, je ne suis pas sûr. Je pense vraiment qu'à terme le match-up est gagnant pour Swain. Là le problème majeur effectivement du tout, c'est qu'au top ça se passe ok, au bot ça se passe ok, c'est pas la joie, mais ça se passe. Voilà. Même s'ils sont push, c'est surtout la mid-lane en fait qui pose problème. Parce qu'à partir de là, malheureusement on le voit, Rookie et nous, ils se baladent sur toute, ils commencent à se balader sur toute la carte. Ils récupèrent absolument toutes les ressources, toute la jungle, toute la vision. Et il y a un moment où on va avoir un gros décalage bot ou top, même si la mid lane ne flanche pas, et encore c'est pas dit, parce qu'on a quasiment une T1 qui est tombée mid, quasiment. Mmh, on est sur un mid life, mais ça peut être sur un gank, un push, ça tombe. Sûr que c'est difficile pour perdre pour l'instant. Et les G2 sont dominés sur le milieu de la carte. IG qui est une équipe qui est capable de passer la vitesse supérieure à n'importe quel moment. Et ils ont ce dragon peut-être à disputer également. Les IG pour l'instant ils se concentrent sur le contrôle de la vision qu'ils ont en grande partie. Toutefois Scarapator appartient au G2, attention peut-être une agression au niveau de la botlane. Si jamais on arrive à faire back Jackie Love, les G2 pourraient avoir un timing de pression sur la map. Ah, et le Jarvan qui est là, attention au 3 contre 3, il va falloir être bon du côté des G2, l'engage au niveau de Wadi, ils n'ont pas mis en cause, ils ont aussi contre-attaque, Yardan qui arrive à se cacher, le bon headbutt, on se retourne pour la reine. Oh le et de Yardan. Pour Yardan, ça flash out du côté des G2. Un kill partout, les G2 qui reviennent à ce niveau, mais IG a la possession du terrain, Rookie est le premier à décaler au niveau de la bot lane. Jackie Love par contre qui prend quelques risques. Ça ira du côté du carry AD des Invictus Gaming et Wunder. Wunder qui se fait bosser un peu. Faut attendre le circulaire, faut attendre un peu de résistance magie. Je pense qu'il va aller peut-être. En fait, le problème, c'est que Swain, si tout le trade est engagé par la Akali au corps à corps, peut-être, mais Akali a tellement de façons de in et out que je reste sceptique pour la suite dans ce 1v1. Et bon, alors par contre, c'est sûr qu'au mid, est-ce qu'il peut réussir à mettre des contrôles? Rookie a son flash, hein. Rookie a son flash, il va flash directement pour ne pas risquer de donner un bon timing de pression au G2 eSports. IG maintient son avantage de 2000 gold, Noir. Ouais, bah, essentiellement sur du farm pour l'instant. Et voilà, et surtout, il faut faire attention parce que les tours vont commencer un peu à tomber sur les prochaines actions. Ning qui est de retour à la botlane. Oh Yarnan heureusement qui a réussi à mettre son shield. Ning qui n'a pas son ulti, ils n'ont pas les flashs pour venir chercher Yarnan qui va pouvoir continuer de clear avec ses ricochets. Mais attention à ce genre de trade, l'arrivée de Niankos au top. C'est peut-être le moment. Il n'y a plus smokescreen pour Shy, il reste encore un flash, pas besoin du flash. Trop facile de s'en aller quand on est à Kali, trop de moyens de s'échapper. Les Invictus Gaming qui récupèrent la première tour sur la botlane, G2 est complètement étouffé dans cette early game. Et ça y est, c'est le signal pour récupérer le premier dragon du match. Perth n'est pas là, G2 est dans l'impossibilité complète de réagir pour l'instant. Et peut-être qu'on va essayer de jouer de l'autre côté de la carte. IG est au dragon, est-ce que G2 peut? On le sait, G2, ils sont régulièrement sous pression. Maintenant, ils savent parfaitement utiliser le cross-map, Noah. Ils ont réussi régulièrement à se remettre à niveau dans cette compétition grâce à un cross-map bien joué en récupérant des avantages sur l'autre côté de la carte. Mais là, ils n'ont même pas réussi à mettre ça en place. Il y avait peut-être un moment où aller prendre le héros, mais
on n'a pas réussi à trouver ce moment du côté G2. Ça allait vite, tu as eu un bac assez rapidement et voilà, il y a le swap lane absolument instantané d'Invictus Gaming. Il n'y avait même plus de dragon des océans. Si le héros de la faille tombe, pour le coup c'est sûr que toutes les tours vont tomber, toutes les T1 vont tomber du côté de G2. On peut arriver à 3-4000 gold d'avance avant les 20 minutes de jeu et c'est largement suffisant à un Lucian et un Jace pour venir snowball la game. Donc là les G2 ils sont pas loin du point de rupture. C'est assez difficile, maintenant attention, un place peut-être au flash extech de la part de il a cancel. Ouais, quand il a vu Ning, il a pas voulu y aller. Compréhensible hein, encore une fois, vu que les IG ont un temps d'avance via leur push et leur domination, les G2 dès qu'ils voient des joueurs IG en position de répondre, mieux vaut éviter l'affrontement actuellement, surtout que les golds sont du côté de l'équipe chinoise. On a mis en place ce swap et directement la Akali de The Shy qui joue très très haut sans énormément de vision d'ailleurs, mais en même temps est-ce que Yankos et les G2 peuvent réagir parce que Rookie mobilise un peu la présence de Yankos autour de cette mid lane. Quand bien même là la Akali se fait gank à 2 contre 1 avec le Xin, vu la positionnement de Ning, vu le décalage de Rookie, ça veut dire que tout le topside meurt instantanément. Exactement. Et même sans ça, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment que des choix gagnants les Invictus Gaming grâce à leur domination, grâce à leur avancée sur la carte. En plus ils ont la vision, ils ont réussi à avancer dans cette jungle, ils ont même une petite ward au niveau de ce blue buff, donc ils sont safe Invictus Gaming et ils prennent des objectifs. Et la Akali qui poursuit son avancée face à Wunder. Attention les G2, ça peut aller vite. Ning, il a ce pick Jarvan, un super pick Jarvan pour trouver des engages. C'est très bon pour gank et pour fight dans les premiers niveaux. Et après, ça se transforme vraiment en machine à initiation. Et c'est aussi une carte qu'ont envie d'avoir sous la main les Invictus Gaming. Surtout que Sivir n'a pas de très bonne solution contre un Jarvan, si ce n'est bien sûr son flash. Mais dès qu'on n'a plus le flash, l'ulti du Jarvan devient un énorme problème, donc IG a des moyens de pression vraiment solides sur les G2 et c'est une nouvelle tour qui va être récupérée avec l'héros de la faille en parallèle et donc virtuellement une troisième tour, non, puisque celle de la midlane a été suffisamment entamée. IG a seulement besoin que l'héros de la faille touche la tour mid. Ouais. Il a fait très très mal hein, ce match-up mid. On voit l'état de la carte pour les G2. On le disait, IG qui joue pas spécialement Aatrox, G2 a mis beaucoup d'emphase sur le pick et donc forcément quelque chose allait se passer autour de ce champion. On parlait du pick Fiora potentiellement contre Aatrox, mais là du coup IG qui met en place sa recette maison avec ce pick Jace et c'est un peu le même effet, j'ai l'impression, que le Ryze face à Aatrox hein, c'est-à-dire archi domination. Aatrox lorsqu'il est face à un pick range qui peut multiplier les phases de Arras, il est en difficulté et Jace a parfaitement le profil. Et Wunder, de toute façon, il faut tenir maintenant du côté des G2. Il faut être prêt à sacrifier cette T1. De toute façon, je pense que c'est la position est absolument intenable. Et après, bon, avec cette Sivir, il va falloir faire le dos rond. On sait que les G2, ils peuvent revenir de très très loin cette game. On l'a dit, voilà, c'est une équipe qui peut faire des comebacks. Oui. Ils ont une compo qui, effectivement, quand on voit le scaling, quand on voit le team fight derrière, avec cette Sivir, surtout le Swain, hein, le Swain arrivé avec, à maturité, le Swain est extrêmement gênant contre cette composition low range de Invictus Gaming. Maintenant, le but, c'est de tenir assez longtemps pour y arriver en vie. Ça peut être bien, c'est sûr, côté G2. Maintenant, le team fight late game, normalement, n'est pas leur atout numéro 1, mais non. On a pu voir qu'ils étaient capables de le faire hein, quand les conditions l'exigeaient. Maintenant c'est difficile actuellement du côté des G2, il va falloir essayer de gagner du temps. Mais Invictus Gaming, c'est pas une équipe qui aime prendre son temps en noir. Dans les statistiques, c'est une des équipes qui snowball qui le, va plus, le vite. Plus vite dans ces Worlds 2018. Directement la culling de Jackie Love, on veut accompagner le Herald sur la T2 du côté des Invictus Gaming. Et les G2 ne peuvent pas y faire grand chose. Ils vont tenter d'engager tout de même. Langage, Wadid, l'arrivée de Wunder qui est derrière. Est-ce qu'il a une griffe à venir trouver Yonkos qui va essayer de revenir? Mais ça s'en va pour les Invictus Gaming. On a un flanking qui va arriver. Il arrive tard, Perks, il arrive tard. Et ça va tomber à l'eau. Jackie Love qui mettra une BRK pour s'enfuir. Ah, on désengage bien du côté des IG. Ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude de faire les G2. Et attention peut-être au contre-engage hein, du côté des Invictus Gaming. Il n'hésite jamais. The Shy est revenu de son travail sur la bot lane. Ah, et le POG sur Yarnan. Et ils reprennent possession directement après du terrain les IG. Hein. Non, c'est très bien joué. Il n'y a absolument rien à dire. Et ils ont quasiment récupéré cette T2. On a Wunder qui est tout seul, Yarnan qui est assez low, Jarvan a encore un flash, un ulti, donc la défense est dangereuse.
ce genre de timing. Le map contrôle est pris dans la jungle et on vient menacer le Red Buff. Attention à cet engage et un quasi one shot de Yonkos qui va être obligé de flash out. L'arrivée de Baolin qui met du contrôle. Perse est pris également. Perse qui prend l'ignite, qui tente de flash out. La couverture de Wadid est en place. Wunder qui trouve une griffe. Mais les Invictus Gaming vont au bout de leur idée et de leurs envies. Wadid qui tombe ici. Wunder doit reculer. Difficile pour les G2 eSports de trouver de bonnes solutions dans ce début de mid-game. Ils sont largement dominés et j'ai l'impression, au bot, je sais pas s'ils ont, est-ce qu'ils ont une wave morte ou pas, les G2. Ça va push, hein. Ça va push au bot pour Invictus Gaming. Il y a une rotation Finalement, c'était un. Il avait dû laisser un coup de canon, j'imagine. C'est toutes les salaines ont été parfaitement push par Invictus Gaming pour leur permettre de continuer. Après, je pense qu'ils veulent trouver un reset là maintenant. Invictus Gaming, ils ont pris deux tours sur cette séquence de jeu. Tout à fait. Et là, on voit pas de vision du côté des G2, trop peu de vision, comme nous l'a très brièvement montré l'observateur. Pas du tout de vision et des IG qui s'engouffrent justement dans ce déficit de vision du côté des G2. Là, ça snowball trop vite hein, là, pour les G2 pour qu'ils puissent vraiment paralyser la game. À mon avis, il va falloir passer à la game suivante. Hein. C'est très probable et sûrement déjà qu'on a essayé de drafter des match-ups forts, mais y aller encore plus. Ouais. Après, encore une fois, je sais pas, le Swain. C'est pas la top lane qui a craqué. Non, mais vraiment une bot. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais après en général, si Perks un Aatrox mid et qu'il se prend un match-up un peu dégueu, faut un truc qui compense top, quoi. Et. Bah, Swain face à Akali, ça compense pas autant que ce que perd un Aatrox contre un Jace, hein, loin de là. Deuxième dragon des océans récupéré par Invictus, le prochain sera un infernal. Ouais, deux dragons des océans, c'est bien pour l'early game d'Invictus Gaming, c'est clair. Et pour ce mid game, ce dragon infernal va être très difficile à défendre pour les G2. G qui accélère. Alors maintenant, on va voir la suite parce que G2 est très bon pour faire déjouer ses adversaires, pour réussir à être créatif dans sa défense. Maintenant, IG, c'est une équipe qui hésite rarement. Et d'ailleurs, bon bah, ils ont vraiment une équipe qui est hyper forte pour 1-3-1, les IG, mais ils ont plus tendance à se regrouper. C'est plus sur style maintenant, Noah. Maintenant qu'ils ont dominé leur match-up en side lane, on se regroupe. Hein, fini le 1-3-1. Le 1-3-1, c'est juste pour leur league game pour IG. après, il faut se regrouper, il faut teamfight. Bah, ils ont vu de toute façon, hein, ils ont vu perdre sur la top lane, il n'y a pas de téléportation. Donc, ils savent qu'ils bénéficient de 5 joueurs contre 4 en attaque. Et d'ailleurs, voilà, on a sur la mid lane la rotation qui est prévue par Ou qui est la triple attaque, le POC, et on va profiter de cette supériorité. On continue, Ning le disengage. Ça va être dur pour G2 pour essayer de contrer ça. Dans le pire des cas, les Invictus Gaming peuvent se replier sur un Nashor. Ils ont un DPS qui est excellent contre le Nashor. Ouais, ils ont une BOTRK déjà du côté de Jackie Love, ouais, qui est déjà ses core items avec son Lucien. Attention, on engage. Peut-être le bon moment pour la défense des G2 eSports qui font bloc ici et qui repoussent tout de même parce que sous une tour avec un ulti Swain, avec une Sivir tout de même, IG encore une fois est loin d'avoir une draft de fight idéale. Et on a pu voir là que. Ils vont peut-être devoir respecter leur draft et essayer un peu plus de gagner sur le 1-3-1 que sur le fight et sur le regroupement, ce qui est leur classique, toi, mais sous une tour, là, quand même, ils doivent prendre leur temps. Je les vois bien, effectivement, ne pas prendre ce risque et surtout forcer un Nashor. Je sais jamais avec eux, en fait. C'est aussi pour moi la faiblesse des IG, c'est que par moment, ils manquent de préparation, ils manquent... par moment, je trouve qu'ils respectent pas assez leurs conditions de victoire et ils y vont un peu comme débouchés. Alors ça passe régulièrement parce que leurs joueurs sont vraiment super forts et ils ont beaucoup d'avance, donc il n'est pas dit que ça passe pas sur un dive, mais tout de même c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire sans doute avec leur composition. Bah, surtout que là voilà, on vient d'avoir le rapid fire qui a été terminé par Yarnan, donc vraiment en défense ça va être très très dur de bouger cette Sivir. Donc là maintenant, récupérer bien la vision au Nashor, bien faire avancer les lignes avec un bon map control dans ce top side de la jungle. Et au bout d'un moment, avec un Jarvan, hein, c'est tenter speak up. C'est là où on va voir si ce Swain peut tenir Akali. Là, c'est importantissime que Wunder ne se fasse pas écraser. On va voir. Ouais, les IG qui tentent de contrôler ces buissons. J'ai deux réponses. Attention au POC, le problème c'est que ce Jace il fait si mal. Et pour défendre une ping, tu perds un tiers de ta barre de vie sur ton AD carry. C'est difficile.
Surtout qu'Arna n'a pas énormément de lifesteal encore, très loin de là. Il n'y a encore personne. On a peut-être un peu dans les maîtrises, mais c'est tout. Il n'y a encore personne pour aller gérer la Kali qui va bientôt arriver sous la tour. C'est Wunder qui fait le déplacement. On le sait du côté d'Invictus Gaming. On a l'information. C'est peut-être le moment de venir forcer voilà, un petit peu ce Nashor du bout des doigts. Ça dépendra aussi bien sûr du POC qui vient toucher Yarnan. Yarnan encore une fois, il snipe bien, il est bon hein, Rookie, on le sait. Il snipe. Et Yarnan qui est le joueur qu'on vise du côté d'Invictus Gaming puisqu'on sait que c'est lui qui a le pouvoir de dépush. Donc c'est celui qu'on veut faire reculer, qu'on veut mettre dans une situation d'insécurité absolue. Ils sont bons pour ça, l'Invictus Gaming. Et ils tentent vraiment de s'imposer sur la vision dans ces buissons très proches de la base des G2, toujours ce POC. Yarnan, attention Yarnan, parce que sur une petite agression de Jackie Love, voilà Jackie Love qui va directement chercher Yarnan et on fait reculer le moyen de Webfear du côté des G2. Yarnan qui va tomber sur cette ulti du Jarvan et les G2 eSports qui se font dive noir. Wunder hein, qui essaie de tempo avec sa forme de Swain, The Shy en plein milieu, la résurrection qui est activée du côté de Perks. Wunder, Baolan qui est prisonné, qui prend un coup de tour, on trouve la griffe, mais c'est pas grave, trop de dégâts côté de Vitus Gaming, 3 kills contre 1, ça va trop vite. Et Yarnan intercepté par Jackie Love sur cette tour qui n'attendait que ça, une ouverture sur la décarie des G2. Ah, c'est bien joué hein, vraiment la Jackie Love qui hésite pas, c'est Rookie depuis tout à l'heure qui s'illustrait à mettre son POC et Jackie Love qui met un dash qui va directement mettre l'agression. Les G2, s'ils ouvrent un tout petit peu leur garde, les Invictus Gaming ils tapent, ils savent faire, les Invictus Gaming taper fort. Non, il a dit l'infinité. Non, tu ne vas pas wave clear, tu ne vas pas wave clear. Et pourtant c'est bien pile hein, c'est très bien pile, on arrive à supprimer Ning. Heureusement qu'il y a une très belle stopwatch. Perks arrive à tempo un petit peu, on se dit que ça va tenir, mais trop de dégâts. Ouais, le Jarvan qui trouve cette initiation et là. À Wunder qui essaie hein, mais les conditions ne sont pas idéales pour lui hein, dans ce fight. Et Jackie Love de l'autre côté du mur qui trouve ce kill. G2 dépassé par l'agressivité des Mixus Gaming dans ce premier match. 30 secondes avant Dragon Infernal qu'on ne voit pas potentiellement contesté par les G2. Ça semble impossible, Noah. Mais ils ont encore l'intégrité de leur base. Mais du coup, de leur T3, encore un engage. Et Yarnan de nouveau trouvé. Parning, pas de flash. Il a pas de flash, ils le savent, les G. Honnêtement, quand t'as un Jarvan, c'est un délice d'avoir un carry AD qui n'a pas de dash et qui n'a pas de flash parce que tu sais que tu le tues obligatoirement. Les IG savaient, les IG appuient là où ça fait mal. Yarnan tombe pour la deuxième fois et derrière IG qui va tenter d'aller finir le match. Encore une fois, The Shy qui est dans la mêlée, qui tente de zoner avec sa zone d'ombre ici. Et les G2 qui perdent des ultis, plus d'ultis pour le Aatrox de Shy qui fait tourner tour. Les têtes européennes. Rookie. Wunder qui devrait tomber, noir. Rookie tient la stopwatch de Wunder. Est-ce qu'on arrive à disengage Wunder? Le flash out de Shy à la réception. Ça tient, j'ai besoin. Oh, Rookie! Encore qui une trouve fois. Le Q-spell! Encore une fois pour Rookie, le double kill pour le midlaner des IG. Il tombera au champ d'honneur. Mais quel zoning de la part de The Shy qui, encore une fois, avec son nuage, est en train de tenir tout les G2 au niveau de la fontaine. The Shy qui va tomber. Les T4 sont mortes. Et G2 défendra tout de même. Bon, mais à quel prix, Noah? IG qui est intenable dans cette première rencontre. Ouais, il leur reste plus qu'un push à faire, ils n'ont même pas besoin de vraiment partir sur ce Nashor. Ils peuvent le faire pas sécurité, mais trop rapide. Trop grosse accélération, trop de snowball, ce Jace qui a fait trop mal à la game. Oh attention. Et non, vous croyez qu'on a back, mais non, pas du tout. Les IG qui en veulent encore. Yonkos qui va tomber, tout comme Wunder, double kill en faveur de Jackie Love. Et on le rappelle, l'inhibiteur est à nu, noir. L'inhibiteur, le Nexus est à nu. On va aller chercher tout de même cette tour. Ning qui va pouvoir se disengage. Ils sont pas obligés de le jouer maintenant. Voilà, Invictus Gaming. Allez récupérer Dragon Infernal sur le chemin du retour. Il y a le repop de Rookie. Ils ont tout le temps qu'il leur faut pour terminer. On s'arrêtait là, les IG, mais de toute façon, avec le Nexus ouvert, on voit pas très bien comment G2 pourrait réussir à en venir là, Yarnan. Hein. Il faut rien de plus hein, Jarvan, tu vois la DC adverse, s'il a pas de flash, tu lui mets tout. Et voilà. Et sans trèche, sans Tamken, c'est terminé dans ce genre de cas. Il y a Ichi qui va pouvoir récupérer ce Baron Nashor.
et derrière se créer une bonne situation de fight ou de push tout simplement pour aller conclure cette rencontre face à des G2 eSports qui n'auront pas tenu le choc en early game. Non, clairement pas. Faudra voir sur la prochaine game avec peut-être les G2 du côté blue side pour réussir à loquer des pics. Des pics de cœur, après ils ont pris Aatrox à l'histoire, hein. C'est pas comme si c'était pas des pics de cœur. Ils ont un bon win-rate en plus sur Aatrox, je crois, les G2. Oh oui. Bah Wunder a joué 5 fois déjà, je crois, de base. En fait, ils ont 50% de win-rate sur Aatrox. Comme ça. C'est neutre. C'est neutre, mais c'est un pic qui fonctionne très bien pour les G2. Alors. Les Invictus Gaming, que ce soit au top ou là, c'est un peu risqué ce qu'ils font peut-être les G2, mais Yarnell qui est directement focus par un Ning qui ne fait aucun quartier. Noah Ning qui va directement faire tomber le carry à des Suédois des G2 eSports de Shy face à Wunder. Wunder qui tente tout de même et qui tombera. Les Invictus Gaming trop fort qui aille ce G2 et qui sécurise la première manche de cette demi-finale. 1-0 pour IG. Propre, clean, c'est ce qu'on attendait de Invictus Gaming. Des lanes extrêmement puissantes, de l'agressivité, un snowball ultra rapide. Et contre G2, et eh bien ça marche. Ça marche bien Noah. Les Invictus Gaming qui, comme tu as dit, ont fait les choses comme on l'attendait. Donc finalement, des match-up qui peuvent dominer en lane. Et derrière, ça se traduit par des opportunités qui sont bien converties en mid-game. Et paf, ça fait mal. On était à 30 minutes de jeu ? Même pas. À peine, hein. Non, même pas. Le Nexus était à nu vers les coups de 25-26 minutes. Mais de toute façon, voilà, G2, on les attendait soit gagner leur 1-3-1, soit pour moi se faire massacrer un peu dans le league game. On a eu le premier cas de figure. Ça ne veut pas forcément dire que tout le BO va se passer comme ça. Justement, je suis assez impatient de voir un peu les adaptations. C'est ça qu'il faut se dire. En général, quand on regarde G2, quand ils perdent, ils perdent vraiment fort. Hein. Si ça commence dès le début comme ça face à une équipe qui sait aussi contre bien snowball. RNG, c'était game 1 destruction, game 2 back-to-back destruction. Exactement. Donc, et derrière, G2 a réussi à s'illustrer et remporter eh bien, le quart de finale. Donc bon, on peut pas dire qu'on n'est pas inquiet. On peut pas dire que c'est un bon début, mais ça veut pas dire que tout est joué. C'est pas étonnant. On va retrouver Laure justement pour parler de ce match et peut-être du prochain avec l'analyse desk. Merci beaucoup Noah, ça commence très très mal pour G2 eSports ici. Alors, on va parler de la game, mais avant ça, on a un invité de marque aujourd'hui, Niski. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le week-end, puisque tu seras ici pour les demi-finales, l'intégralité des demi-finales. Merci à vous pour l'invitation. Bah, écoute, pas de soucis, ça nous fait plaisir à chaque fois. Alors, j'ai mal quand je regarde cette game comme ça, c'est pas possible. On a tous eu la même réaction pendant... Moi j'ai une question pour Niski. Vas-y. Si Duke et Peter te préparent une draft comme ça, qu'est-ce que tu leur dis après la game? Mais mec, ingagnable. C'était mec, ingagnable. Cyril est fou. Ouais, c'était ingagnable, c'est impossible. Mais c'est quel... Enfin, je comprends pas. On a dit en pré-show justement que G2 c'était une équipe qui a pas tendance à créer le rush sur leur phase de lane. Donc pourquoi est-ce que tu vas prendre trois lanes perdantes et tirer encore plus une balle dans le pied finalement? En vrai, je pense que la draft G2 était ok. Et je pense jusqu'au last pick, parce que je pense qu'ils ont last pick Swain, si je me souviens bien. Et le truc, c'est que le Swain, pour moi, il a servi à rien pendant la game. Et si tu gardes un last pick et que tu flexes Aatrox et Aatrox, Swain, c'est ça. Au moins, il te faut une lane qui gagne. Sauf que là, ils avaient losing bot, losing top, losing mid et even jungle. Et... Ça aurait été une meilleure idée de swap, justement, cet Aatrox au top. Je pense qu'ils auraient juste pas du pick Swain et juste un autre pick, je sais pas lequel. J'ai pas de pick en tête, mais je pense que le Swain était vraiment... nul, on va dire. Là, t'as une idée de ce qu'ils auraient pu faire. On reprend la draft et ensuite on verra pourquoi ça a déconné et comment SKG ont fait une game exemplaire, mais à la place de West, last pick. Parce qu'on l'a dit, c'est un avantage pour G2 d'être Etsa et d'avoir cette possibilité de last pick. Je pense que s'ils avaient une réponse à Aatrox, ils auraient peut-être pu ban Akali, laisser le first pick à Aatrox et le gérer en side parce qu'ils ont le last pick. Donc le Aatrox peut être. En fait, t'es obligé de montrer ton flex quand t'es blue side. Donc ils auraient peut-être pu faire ça. Après, ce qui est sûr, c'est que Swain, c'est un laner qui est très faible, mais extrêmement faible. Il perd contre quasiment tous les contrôles mages. Et Jace back déjà quasiment contre tous les contrôles mages en lane. Donc en fait, tu peux pas le flex contre Jace. Genre, il va avoir 15 CS et 2 kills de retard en sortie de lane. Donc je pense que vraiment, last pick red side un Swain, c'est vraiment pas respecter ton adversaire. Donc pour moi, n'importe quel pick avec un peu de prio, n'importe lequel, hein, je pense que là tu prends même Orianna, c'est mieux. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? On se demandait où était Jankos, qu'est-ce qu'il pouvait faire justement avec ce Xin, parce que comme d'habitude on choisit un jungler qui est relativement early pour G2. Et qu'est-ce qui s'est passé côté Invictus Gaming? Parce qu'on a vu justement Ning qui était super actif sur ses lanes, et finalement une fois que la tour bot tombe, c'est effet domino et le reste de la carte tombe derrière. On swap lane et...
Pour la défense Giankos, il avait 3 lignes qu'il perdait. Donc en vrai, il ne pouvait vraiment rien faire avec son pick. Je crois qu'il a fait un level 2 gank au top en plus, qui lui a fait avoir un peu de pression pour la top lane. Mais après, ouais, une fois que Invictus Gaming ont une tour, 2 kills sur un G, ils peuvent vraiment GT peuvent rien faire pour comeback, quoi. En fait, il n'y a aucun assignement de lane où tu vas pouvoir survivre. C'est vraiment le souci d'avoir 3 losing lanes. C'est que même si ils peuvent, les Invictus Gaming, ils ont l'embarras du choix. Ils mettent Jayce sur le bot side. Qui est-ce que tu envoies sur le bot side contre Jayce? Tu envoies Swain, il se fait démolir. Tu envoies Atrox, il se fait démolir, surtout s'il n'a pas de tour derrière lui. Donc personne ne peut matcher le Jayce. Donc déjà, il faut teamfight et se regrouper. Mais ils n'ont pas non plus une compo teamfight de fou juste en sortie de lane. Ils ont besoin d'un ou deux items, je pense, pour être en power spike. Donc même s'ils veulent teamfight et contester le Herald, ils vont perdre la game. Donc je pense vraiment que la première game, il faut l'oublier et repenser directement aux conditions de victoire et à la draft de la prochaine, parce qu'il n'y a rien à tirer d'une game comme ça. Ouais, on va vraiment tout gommer ici. Et je me demande en fait si G2 aurait pu faire quelque chose, parce qu'on les a vus être proactifs par rapport à d'autres équipes. Et à partir du moment où cette tour bot tombe, qu'on sait qu'ils vont vouloir faire le dragon, transitionner au top, prendre le top et ensuite prendre l'Herald, est-ce que G2 aurait pas pu anticiper ça avec leur composition et les forces qu'ils avaient à ce moment-là pour essayer justement de reprendre la main là-dessus, Niski? Le souci de ça, c'est que si... On va dire, imaginez qu'ils perdent un fight, ben, la game elle est vraiment perdue à 100%, tandis que peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient mettre outscale, peut-être avec une civière à 6 items, un truc du genre, mais G2, en vrai, ils n'avaient pas les items qu'il fallait, je pense, pour fight à ce moment-là, et enfin, comme j'ai dit, G2 pouvait vraiment rien faire cette game. Donc, De toute façon, je pense que c'est vraiment la clé de ce match. Meilleur draft, une draft qui leur correspond mieux. C'est une demi-finale de Worlds, donc même les années précédentes, la draft... Elle est extrêmement importante à ce niveau de jeu de là, parce que tu vas pas juste outplay ton adversaire sur la lane en disant je vais prendre un mauvais match-up et je vais mettre 20 CS quand même. Donc il faut vraiment faire très très attention aux conditions de victoire, parce qu'une équipe comme IG, ils ont joué dans le jardin d'IG. IG c'est une équipe qui aime avoir des lanes fortes, qui aime pas forcément jouer très très macro, qui aime prendre un lead rapidement dans la partie et snowball. Et ils ont donné des lanes faibles avec un jungler qui pouvait rien faire face à ces conditions de victoire là. Donc c'est vraiment IG qui devient extrêmement fort dans ce genre de situation. Bon, je pense pas que de toute façon on ait besoin de regarder le reste des replays sur cette game. On voit vraiment très bien ce qui s'est passé ici. Quel conseil on pourrait donner à G2 pour la suite de la partie, mais on a vraiment vu ce qu'il y a. Et finalement, ce Swain, hein, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Hein, mais comme même situation que ce qu'on avait vu pour. Ça fait des dégâts. Le problème de Swain, c'est que c'est pas le problème que ça fait ou que ça fait pas de dégâts, c'est quand est-ce que ça fait des dégâts et qu'est-ce que t'as perdu avant que ça fasse des dégâts. C'est-à-dire qu'au moment où il commence à activer son build, etc., la game elle est déjà perdue. T'as un Lucian qui est hors de contrôle, t'as un Jayce qui prend toutes les side lanes qui gagne, t'as une Akali qui est absolument ingérable et en plus t'as un Jarvan pour engage. Donc oui, ton Swain il arrive, il zonia, il met un max de dégâts et puis le reste de ton équipe elle est déjà morte en fait. Aucune fenêtre de sortie ici pour G2. On oublie cette partie, il ne s'est rien passé, le BO commence maintenant. On va marquer une pause et on se retrouve pour donc la deuxième partie de ce BO5. À tout de suite. Ok les gars, c'est le grand moment aujourd'hui. On a 30 secondes avant que ça démarre, chacun à son poste, vous savez ce que vous avez à faire. On a déjà atteint un sommet pour y arriver, maintenant il faut assumer, parce que ce qu'on fait, on le fait à fond. Vous avez peur ? C'est normal d'avoir peur, mais aujourd'hui, il faut profiter. Alors attention, ça va partir très vite. Vous faites pas surprendre, vous êtes serein, j'en veux aucun qui craque. On est rentrés ensemble, on sort ensemble. Personne ne sort du rang parce que c'est groupé qu'on survit. Allez, on se lance. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais.